troisième position. Race 170 avec Méline Vidélo, la pilote de Trégueux Côte d'Armor, mais également Romy Debord, Ambrose Julian est là avec Lola Checha, Lana Tezing et Lola de Oliveira. Alors, vous connaissez tous les noms et prénoms des candidates qui sont là sur la piste pour en découdre. Et c'est Lola de Oliveira pour le club de Montjouan avec son numéro 37 qui tente de prendre les devants. Mais Méline Vidélo de Trégueux Côte d'Armor va prendre les devants maintenant. Cette candidate qui a terminé sur le podium la saison dernière avec une deuxième place sur le Trophée de France. Et je reviens à la troisième place avec Ambre Julian pour le BC Pont-Évêque qui va obtenir ses points importants de cette série qualificative. Et quatrième. C'est... Et derrière, on nous retrouve en troisième position Norine Luce pour Team Manager 29 qui prendra la troisième place de cette deuxième manche de la Race 169. Allez, je suis toujours impressionné par la cadence de pédalage de ces féminines, notamment dans cette série 170. Et regardez la courbe prise par pour l'instant la pilote qui domine, c'est ni plus ni moins que Lola de Oliveira pour le club de Montjouan qui, à l'instar de ce qu'elle a réalisé déjà lors de la première manche qualificative, montre toutes ses capacités à aller chercher éventuellement une victoire dans cette deuxième manche qualif. Il y a Méline Vidélo également dans le tempo et elle vient de prendre maintenant la première place et on est relégué maintenant à une troisième position avec Romy Debord. Trégueux Côte d'Armor avec Romy Debord donc à la troisième position et on va citer bien évidemment Ambre Julian avec son numéro 53 à la quatrième place. Qui occupe pour l'instant la troisième place alors qu'à la quatrième place va revenir, je pense, à Léonie Calvarin, la pilote de Saint-Brieuc. Allez, dernière série de ce bloc des trois manches qualificatives de cette troisième journée de ce Trophée de France avec la série 170. Et Méline Vidélo avec son numéro 50, je pense, a pris les devants. Voilà, je confirme, elle s'envole véritablement sur cette piste pour cette troisième manche qualificative. Et c'est Lola de Oliveira pour Montgeron qui détient la deuxième place et qui tente éventuellement de passer maintenant sur les devants. Elle y est parvenue. Voilà, Lola qui va aller peut-être chercher le point de la victoire dans cette troisième manche qualif. Alors que je vais citer maintenant Romy Debord à la troisième position et Ambre Julian ou Julian avec son numéro 53. Et bien à la quatrième place, cette candidate de Pont-Évêque. Allez, encore un quart de finale chez les minimes filles. Et une belle explosivité de Amy Godet, pinçante, qui avait pris un léger avantage. Mais Camille Brouchier pour le BMX Maximois accélère fort sur la piste. Amy qui fait une petite erreur, mais qui tient actuellement toujours à la deuxième position. Alors qu'on est bien placé avec Adenora de Bruxelles, Saint-Brieuc BMX, la Bretagne qui vient maintenant de perdre sa troisième position, car on est bien passé avec Ambre Julian, avec son numéro 53, la candidate de Pont-Évêque, qui tient une place qualificative, la troisième. Est-ce qu'on va résister avec Adenora de Bruxelles, qui subit un petit peu la fin de piste ici, cette candidate? Et je pense te dire et confirmer qu'elle se qualifie avec... Inès Alzin, Greg Degamant sur la piste avec Gabrielle Thomas, Ambre Julian, Lola de Oliveira, et c'est bien parti à l'intérieur pour Camille Brouchier, la candidate maximoise qui prend avec autorité la tête des opérations. Et c'est le Maine-et-Loire avec Juliette Rullier qui occupe maintenant la deuxième place. Il reste ce virage à négocier avec Lola de Oliveira pour le club de Montjouan qui sort de ce virage à la troisième place. Et c'est le club de Cournon avec Maëlys Brun et son numéro 77 qui tient une quatrième place. Oh, que ça va être compliqué d'aller chercher ces quatre candidates. Mais devant, pas de changement. C'est Camille Brouchier avec son numéro 18 qui s'adjuge la victoire de cette demi-finale.